too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Amis de KMT, bonsoir, bienvenue dans cette émission Conversation que vous connaissez assez bien maintenant, je pense. Je reçois ce soir une invitée un peu particulière, une chanteuse à la personnalité bien affirmée. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vous présente Zaza. Bonsoir Zaza. Bonsoir Mylène. Vous avez vu le sourire? J'espère qu'elle va apporter de la lumière dans vos foyers, en tout cas ce soir. Bienvenue Zaza. Alors Zaza, pour ceux qui se souviennent ou ceux qui n'ont pas connu, était une grande ambianceuse sur toutes les scènes de Lille il y a quelques années. Son plus grand tube, elle va donner le titre, c'était Zaza, Zaza justement. Bon, Zaza. Ça veut dire que en fait, elle avait une chanson qui a cartonné un peu partout. Et cette chanson-là, son titre était Zaza et ça lui a donné son pseudonyme. Voilà, exactement. Voilà. À la base, Zaza, tu t'appelais comment? Mais moi, c'est Dani avec Y. Dani, D-A-N-Y. Mm. Voilà. Bois la ville, on va en parler tout à l'heure. Alors, comment tu as vécu? Ah, je suis passée au-dessus, mais ce n'est pas grave, c'est parce qu'en rentaine, on disait-tu. Comment tu as vécu donc, ce phénomène où la chanson était sur toutes les lèvres, partout en Martinique? Ah, mais ça a été quelque chose de fulgurant. Et... Ça t'a surpris? Ah, il surprend moins parce que je n'en ai pas jamais pensé. Pour moi-même, comme c'était une rencontre hasardeuse. Donc, on dit, m'en réessayer encore, puisque m'en pâté jamais chanté. Hein. Alors, ça a été repéré parce qu'elle était en train de s'amuser, s'ambiancer. S'éclater. S'éclater. Et la personne s'est dit, ah ouais. Ça, c'est une artiste. Ah. Même pas. Non. Il a dû se dire, mais c'est elle qu'il faut pour ma chanson. Oui, ouais, elle correspondait au profil. Oui, voilà. Parce que ce n'est qu'après que je suis rentrée dans le personnage artistique. Voilà. Puisque je fais partie de celles qui pensent qu'il y a 1000 femmes en moi. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est alors, Zaza avait créé le look. Oui, voilà. Elle avait créé la coiffure voilà. spécialement et elle a été copiée un peu partout. Mais c'est pour ça que la sauce a pris. Oui. Voilà, parce que justement, le premier bail qui fait ces moules-là, ils ont été interpellés par ma prestation, c'est parce que Monte Cabrine. Oui, tout à fait. À l'époque, en fait, danser un peu avec les fesses en arrière, mettre ses corps à l'époque, tout le monde dansait debout. Oui, les gens ne bougeaient pas autant. Puis maintenant, en fait, Zaza, si on regarde bien, était déjà une précurseuse parce que qu'est-ce qu'ils font maintenant, les jeunes? Comment ils dansent maintenant? Ils se bougent beaucoup plus qu'avant. Quand on regarde les Beyoncé, les stars américaines et tout ça, en fait, elles sont en train de faire ce que Zaza faisait il y a 30 ans. Mais je n'ai rien inventé parce que si vous regardez bien Belé, à un moment donné, on va vers le tambour et on exprime sa volupté, on exprime ça, on fait danser toutes les parties de son corps. Donc moi, j'ai ça en moi. Oui. Il y a un héritage. Oui, ouais, c'est un héritage. Et puis, on fait dire que, bon, comment ça, on très spontané, on pas mêlé bien. Hein. Voilà. Donc, là, ça a marché. Ça a marché. Voilà. Qui était la jeune chanteuse, en tout cas, au départ, dans sa vie de petite fille? Comment elle était, Zaza? J'étais quelqu'un d'assez perturbé. Dans quel sens? Parce que j'ai toujours eu un décalage avec la vérité du moment. J'ai toujours été en décalage. Il y a deux choses qui m'ont habité, par contre. C'est la gentillesse dont je t'ai parlé. J'ai toujours eu un faible. J'ai toujours senti le côté sacré de la gentillesse. Et j'ai toujours été très sensible à ça. Alors, qu'est-ce qui te dérangeait quand tu étais petite? Qu'est-ce qui t'interpellait? Ce qui m'interpellait,
C'était que j'avais de la spontanéité. Je ne calculais pas mon émotif. D'accord. Donc tu disais les choses comme tu les ressentais. Oui. Et ça m'a fait d'ailleurs garder une âme d'enfant. Mm-hmm. Parce que jusqu'à présent, comme je n'ai pas interprété, donc je n'ai pas pu être conditionnée. Mm-hmm. Oui. Ce qui fait que c'est quelque chose qui m'a habitée, mm-hmm, et qui m'habite encore. D'accord. Alors, la jeune Zaza, qui s'appelait à l'époque Dani Bois-Laville, oui, elle avait un père célèbre qui est décédé il y a quelques années. Oui. Mais tous les Martiniquais savent de qui je parle. Il s'appelait Loulou Bois-Laville. Oui. Et il avait une femme extraordinaire aussi qui est morte centenaire, je crois. Et, 101 ans. 101 ans, c'est formidable. Et bien, on les voit à l'écran, justement, parce que j'avais envoyé les photos. Ils se sont aimés jusqu'au bout. Ils se sont aimés. J'aimais bien leur... je trouve qu'il y avait de la connivence. Il y avait de l'attention d'abord, mm-hmm, tu sais, ils étaient attentifs. Ça, c'est merveilleux. Ils étaient attentifs et l'un aimait faire plaisir à l'autre. C'était très agréable. Ça, c'est agréable pour un enfant de grandir quand même dans un foyer où il ressent qu'il y a de l'amour, justement. Alors, mon côté dissipé a fait que... j'ai beaucoup souffert de leur absence. Ah. Ils étaient des personnages publics. Oui, c'est ça. Effectivement, on ne pense pas à cet aspect-là. Mais non, parce qu'on ne s'appartient pas quand on est artiste. C'est donc, ça. On est persuadé, si un artiste regarde un autre, mm-hmm, artiste, il est persuadé que c'est normal qu'il il voyage 11 mois dans l'année, moi-même, quand elle a l'abonnement, il va trouver ça normal. Mm-hmm. Alors que, effectivement, ça ne peut pas être autrement. Oui, l'enfant a un manque. Mm-hmm. Mais forcément. Parce que Loulou Bois-Laville, pour ceux qui ne savent pas, il dirigeait, c'était le ballet. Il a fait partie des fondateurs d'abord du groupe folklorique martiniquais, le GFM. Mmh. Et puis ensuite ? Et puis qui est devenu par la suite ballet martiniquais, après l'apport du chorégraphe très extraordinaire, mmh, Ronnie Hall. D'accord. Et en fait, il voyageait dans le monde entier, représentait la Martinique et sa culture, la façon de danser, la tradition. Oui. Ouais. Mais c'est surtout que ça a créé aussi... donc, l'autre aspect, c'est que ça a créé, allant tout dans Maison Moins, par exemple, en disant qu'il y a Maman Moins, c'est un côté où tu n'as qu'à trouver manger. Pour qui ? Parce que tous ces groupes-là... Et j'ai gardé cet aspect. D'accord. Ce qui fait que ma porte a toujours été ouverte. Il y a toujours eu à manger pour plus. Non. Et à un moment donné, il n'y avait pas de téléphone, j'en voulais pas. Parce que je voulais continuer. Mm-hmm. J'avais oublié que le monde change, que les gens... Mon Dieu, yo maman, yo falfret, yo abisé, yo... Bref, coupé. Oui, effectivement, bon. En tout cas, donc, dès l'enfance... Oui. J'avais ce petit côté un peu extraverti. Je suis née avec. Tu es née avec. Mais je ne vivais pas de manière extravagante parce que il y a toujours un décalage entre la raison et mes convictions. Il y a toujours un décalage. Un décalage. Voilà. D'accord. Donc tu as réalisé, en tout cas tu as dit ça dans une interview, que tu as réalisé d'un coup comme ça, que tu étais une artiste, en fait. Oui. Ça a été quoi, le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait penser je suis une artiste. Mais, en fait, je ne me suis pas dit, j'ai commencé... La vérité artistique a commencé à m'habiter. D'accord. Puisque, l'aimant fait Zaza, j'étais la chouchou des enfants. Mm-hmm. De toutes les générations, en fait. Ce qui n'a pas empêché, un jour, monter dans l'avion... Quand tu es sorti travailler Guadeloupe, il y a un bel monsieur grand, habillé en africain. Mm-hmm. Il était assis près de moi, il était ni placé pour moi. Et il m'a dit, comment, c'est vous Zaza? Le monde s'est invité en Afrique, je lui ai dit, Zaza, c'est trop vulgaire. Oh. Ah bon. Mais ça fait partie. Oui. Ça veut dire que ça a touché quelque part. Mm-hmm. Et alors, donc, ce qui fait que mon côté artistique s'est réveillé à ce moment-là, parce que d'une part, comme j'ai toujours été quelqu'un de créatif, j'ai créé le personnage. Oui. Et comme je suis quelqu'un
qui n'arrête pas de repousser mes limites, je suis ainsi faite. Ça veut dire que là où elle m'a commencé coiffure, là, était tout bonnement, après m'a élaboré. Et j'en ai créé, j'ai fait un ananas. Oui, sur la tête. Voilà. Oui, je me souviens d'ailleurs, je fais un petit coucou à ma tante, hein, la cousine de ma maman, tante Marie-Gisèle, parce que c'est elle qui m'a donné l'idée du filet. Ah bon? Mais oui, pour tes chiens, bébé, elle m'a dit qu'elle m'était comme ça. Oui. Et elle m'a donné l'idée du filet et ça a créé. Alors, depuis tout à l'heure, on en parlait de cette chanson, de ce tube de Zaza. On va le voir. On va écouter en tout cas cette musique. Très bien. Vacabon, kakou, ibide. Moi,
voilà, on a replongé dans de beaux souvenirs. Ça. Ah, j'aurais quelque chose à dire rapidement. Je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir permis d'écouter, d'avoir un petit contact avec une partie de mon passé. Parce que je me rends compte d'une chose, maintenant que j'ai quand même changé, je peux apprécier avec finesse et raffinement, je l'espère, le contenu des choses. L'orgadi, musique t'as là. C'est un... Là où côté son, c'est pas beaucoup de notes. C'est même notes là, même c'est pas des musiciens extra intercalés qui n'est des bacs de ceci, des licences, c'est pas ça. Là où quand on a écouté mon sota là, c'est ça mon fini ressenti. Au cas on nous compte que j'ai pas ni beaucoup d'accord. Et ça me fait penser à une phrase que j'avais lu de Miles Davis, j'aime bien sa vérité. Il n'est pas le seul, mais il a quelque chose. Parce que j'aime aussi mon saxophoniste guadeloupéen, là, c'est lui qui fait marcher saxo. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu as le nom, je n'ai pas le nom en tête. Bref. Alors, la citation de Miles Davis, c'est « Pourquoi jouer ?» tant de notes, alors qu'il suffit de jouer les bonnes, les plus belles. Oui. Et très souvent, en fait, les tubes, c'est juste parce que ça nous interpelle et c'est facile à rester dans la tête. On a entendu ça, on sort quelques minutes après, on a toujours l'air dans la tête. Ça tourne en boucle. Et en fait, c'est ça un tube. Mais un tube, c'est quelque chose qui imprègne les gens et puis que c'est un petit refrain tout simple à chanter et ça reste là. Mais ça reste là voilà. Parce que c'est simple, oui. C'est comme les chansons d'amour. C'est ça. Quand les chansons ont des textes... Moi, ils me fatiguent maintenant, les auteurs. Maintenant, il y a trop de mots. En tout cas, bon, ben, ça, on a replongé à l'époque du summum de Zaza. D'ambiance. Oui, d'ambiance, puisque je disais au départ pour la présenter que c'était une ambianceuse. Alors, Zaza est née au Terre-Saint-Ville. C'est un quartier populaire de Fort-de-France. Est-ce que ça t'a façonné? Oui. Oui? Le contact avec les gens, le côté sociable. Manquait dur. Comme je te l'ai dit, la maison de mes parents, c'était une maison... ouverte, parce que nous avons cette fusion avec les membres du groupe. Le ballet, ballet. Mais oui, quand mon maman dit toujours tenir manger, toujours beaucoup à manger. Moi, pas jamais fait les mains, juste à présent. Enfin, à présent, voilà, la vie a fait que mon petit moins plus, moi, plus vivre en ermite. Parce que ça aussi, ça a son importance. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime l'abondance. Et ça vient de ça. D'accord. Je suis une femme abondante. J'aime la générosité. Ouais. On peut pas être moins ou pas généreux. Ouais, après ça, là, comme ça. Donc, Terre-Saint-Ville m'a façonnée, certes, d'une autre manière, parce que c'était un espace, ça a changé, certes, où on allait, venait dans les maisons. Mon camarade, on pouvait même pas fermer sa maison si on s'absentait. Ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver parce qu'il y avait le côté grande famille. Tu vois, là où j'ai vécu. Oui. Toutes copines, moi, c'était copine, c'était ces femmes quartières, c'était jeune fille dans ce quartier. Nous, toutes ces quatre copines. Hein. Et puis cirèse, on n'emploie même plus ce mot-là. Oui. Je cirèse. Ah, je suis. Ouais. Ah ouais, c'est joli. Tu cirèse, oui, oui. Ah ouais, en créant un mot, tu cirèse. Tu cirèse, ça là. En tout cas, Zaza, chanteuse, danseuse, fille de Loulou Bolaville, on comprend. Je ne dis pas que je suis chanteuse, je ne dis pas ça. Eh bien, en tout cas, on vient d'entendre une chanteuse, en tout cas. Interprète. Également musicienne. Alors, de quel instrument tu joues? Non, j'ai comme je te dis, moi je suis quelqu'un qui aime la qualité. Hein. Regardez-moi là. Ce qui fait que j'ai tenté le saxophone. Oui, c'est ce que je sais. Et je vais certainement finir ma vie avec un saxophone
en train de jouer saxophone. Mm-hmm. C'est un instrument que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense à mon mentor. C'est lui qui m'a fait aimer le saxophone, c'est Émilie Anti, mm-hmm. de la Guadeloupe. D'accord. Et j'ai voulu, mais je suis absorbée par tellement, je suis curieuse. Et la vie m'a offert d'autres opportunités. Mm-hmm. Mais il y a aussi le fait que ma maison a brûlé en 2009. Oui. Donc ça a arrêté. Il a fallu que je rebâtisse, que je me remette à fonctionner. Mm-hmm. Du coup, ma passion s'est arrêtée pour l'instant. Pour l'instant. Donc, c'était le saxophone. D'accord. Oui, alors, ce à quoi elle fait allusion, Zaza, c'est qu'elle a vécu une expérience qui n'était pas facile il y a quelques années avec l'incendie qui a ravagé son habitation. Bon, on sait tous que c'est une dure épreuve. Ça a permis un petit peu de voir la solidarité qu'il y a eu des autres artistes qui ont essayé de l'aider. On n'a pas besoin de s'amuser. Et d'organiser un spectacle à l'époque au CERMAC. Oui, oui. Mais bon, je suppose que ça ne va pas être facile. C'est-à-dire que ça m'a recadré, hein, mm-hmm. parce que dans les événements, moi j'ai toujours dit que si on va arriver, c'est parce que Fondation pas été bon, en parlant de ton individualité. Mm-hmm. Donc il y a eu une remise en question de ma propre vérité, de mes propres convictions. Donc ça n'est pas banal, ça n'est pas négatif. Maintenant, la solidarité, je n'en ai pas eu, pas du tout. Pas ni en monde, pas même en famille, moi, je m'en ai maintenu besoin en pinceau ou bien en pyjama. Par contre, j'apprécie énormément le geste de Jean-Marc. Ah oui, il a dansé avec moi hein, et je l'aimais beaucoup. Et c'est lui qui a créé ce mouvement, hein. Qui avait rassemblé Guy Métalli, ah oui. Max ah, Tenef, ben. Il y a beaucoup Gall, d'artistes, ah oui. José Versol, Colobars, etc. Mais mon Dieu, je ne suis quand même pas allé à je suis tellement honnête. Je suis venu. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde parce que, effectivement, très certainement, dans le vif du sujet, il n'y a pas eu assez de publicité. Mais ça m'a fait plaisir. Oui, forcément. Beaucoup. Et ça permet de m'acheter une machine à laver. Et est-ce que tu habites encore la même maison ou tu as changé d'endroit? Mais qui m'en est là habité à Nankai qui brûle les mines, nous-mêmes aussi. Ça n'a pas pu être reconstruit. Ouais. Donc, il y avait un espace qui avait été créé lors de mon premier mariage à 17 ans. Donc, c'est cet espace qui avait été construit dans la cour de la maison principale qui, elle, a brûlé. Ah, OK. Et c'était un cas de 1700, mais pas grave, je me suis songé. Oui, qui aurait pu être classé, quoi. Il était pour classé. Mm-hmm. Et donc, ce qui fait que j'ai reconstruit, ma mère m'a aidé, les institutions aussi, merci. Et j'ai pu avoir un espace. Ton espace plus tard. À toi. OK. Oui, parce qu'il a fallu quand même attendre Kaila brûlé en 2009, m'en entrer dans l'autre Kaila en 2013. Ah oui. Bon, entre-temps, il faut battre, hein? Mm-hmm. Hein. Mais comme moi, m'a toujours dit, c'est ça qui sauve moi dans la vie, si m'en peut permettre moi, on est en même temps. Oui, oui, largement. On a une heure pour converser, donc, l'émission, c'est conversation. Merci, KMT. Merci, M. Larocher. Merci, Mylène. Et ça m'a été dur, ou à moins, là, à différence de mes contemporains, en tout cas ceux que j'ai eu l'occasion de côtoyer pour la plupart, là, on va arriver, moi, qui touchait moi, qui décalaminait moi. Moi, pareil, jamais dit que c'est Jésus, Bouddha ou bien Macron. Pareil, dit ça. Ou bien Macron, j'aime bien. Non. Moi, ouais. Toujours dit, yo, si vraiment t'es bon, t'as pas de qui arriver, moi. Alors, Zaza, réglez mon dent. Oh, pardonnez-moi. Bon, ça, disons que dans la vie, ça arrive à beaucoup de personnes d'avoir des hauts
et des bas. Non, non, donc, pas à ce point. Non, Mylène, voilà. Attends. Mais attends. Des hauts et des bas concernant les motifs, les relations intrinsèques, le travail, ben, comme ça. Voilà, c'est familial. Mais là, on peut dire... Ta maison, oui, ça, c'est autre chose. C'est pas ma maison seulement, maman. Mm-hmm. On peut dire tout moi. On peut dire tout vérité musicale, moi. On peut dire tout, ça. Enfin, bref. Ça a brûlé en ton absence, alors. Ne revenons pas sur le détail, il n'a pas d'importance. En tout cas, je remercie l'esprit de la vie qui m'a permis de me reconstruire et d'être là avec toi. Oui, il n'y a pas de souci. Zaza a été à un moment donné guide touristique. Est-ce que c'est parce que tu aimes ta Martinique? Qu'est-ce qui te séduit d'ailleurs le plus chez nous? Est-ce que c'est la culture, la nature, l'art culinaire ou tout à la fois? Je ne sais pas. La Martinique est un pays passionnant, mais les gens sont, les Martiniquais pour la plupart, sont déconcertants. C'est pour cette raison qu'on ne me verra pas beaucoup sur les scènes musicales, parce que je n'aime pas le superficiel. À mon âge, avec l'expérience que j'ai eue, c'est si bas, sinon vous n'étiez pour le pencher et pas pour moi. Là. OK? Bon, bref. Alors, tout me plaît ici. C'est un pays d'une grande sensualité et c'est un pays généreux, abondant. Mm-hmm. C'est un pays spontané et c'est un pays inconstant aussi, puisque tu as des saisons. Mm-hmm. La pluie a tombé là, à présent, dans un petit moment, il a fait chaud, il y a un beau soleil. C'est un pays que je trouve fascinant. J'aime tout ici. J'aime beaucoup ici. Que ce soit la forêt. J'aime tout. La mer. Je suis très contente d'être. D'être surtout une caraïbéenne, puisque c'est un peu la même mouvance même autour de nous. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis très heureuse d'être bien bilingue. Mm-hmm. Tu parles anglais ou espagnol? Regarde les émissions qu'en anglais. Parce que je suis plus caraïbéenne que française. D'accord. You understand? Mm-hmm. C'est pour cette raison que j'aime dans le créole. Parce qu'il me situe, parce qu'il me ressemble. C'est pour cette raison que je parle créole. Parce que le créole, c'est mon cœur, c'est moi. Le créole, c'est un métissage linguistique aussi. Comment? C'est un métissage linguistique aussi, le créole. Ah ben, c'est surtout la musicalité qui me plaît. Tu vois, c'est les intonations. Alors, quand tu dis que tu ne te vois pas enfin, sur scène pour chanter, tout ça, tu montes quand même sur scène, puisque là, par exemple, tu es en train de faire quoi en ce moment? La place Bertin. Voilà, la place Bertin. Donc, ouais, on va répéter. Des répétitions de théâtre. Alors, ça sera en février. C'est une comédie. Hein. Oui, une comédie. Et ça en février. Voilà. Et qui y aura avec toi pour partager l'affiche? Ah, pour partager l'affiche, il y aura c'est un foisonnement d'abeilles. et de toutes les races. Et puis, enfants, grand-maman et non-femmes. Oui. Mais tout âge confondu. Alors, ça te plaît, les comédies? Tu préfères plus une comédie qu'une pièce Non, j'aime tout. J'aime tout? J'aime tout. J'aurais voulu, moi, si je devais refaire ma vie, j'aurais voulu être actrice. D'accord. Ça m'aurait plu, ça. Ce n'est pas la première fois que tu fais une comédie. La première fois que je ressens le personnage. Ah, d'accord. Oui, voilà. Alors, pour nous donner envie d'aller voir, quel sera ce personnage? Elle fait chier, Mylène, toi-même aussi. Forcément. Avec une Zaza qu'on connaît, très extravertie. Donc, une fête chier. On a compris. Alors, ça aura lieu où, ça? C'est au théâtre Aimé Césaire? Ça sera à Saint-Pierre? Même pas? Quoi, il m'a dit, au contraire, dis-moi, là, il a fait la fête, parce que Marion, je m'en dis, pour y jouer... Ah, sur la place Bertin, mon quoi, il dit non, moi pas ça. Donc, c'est en parole, moi, t'en est. Donc, ça sera en février, mais on verra. Donc, ce après. Sera à l'Atrium, le 6 février, madame. Ah, c'est déjà même fixé, donc c'est bon. Donc, oui, oui. Voilà, le 6 alors, février. On vous y invite. Donc, en 2024. Voilà. Ah, ben, c'est 24. Punaise. Alors, Zaza, elle a testé tous les looks, on a vu ça tout à l'heure. Elle est fascinée par la mode, mais... tout en affirmant son identité propre.
Alors déjà, elle va nous montrer comment elle est vêtue aujourd'hui. Oui, Mylène. Elle va se mettre debout pour nous montrer sa tenue. Voilà. Non, non, il faut que je fasse bien les choses. Bon, bah, faut pas m'en tomber. Alors, Jean-Michel est à la technique. Il va nous la présenter. Alors, regarde par là pour qu'on puisse te voir de face. Voilà. Alors, merci Fifi, avec tout le temps, tout l'amour qu'elle a mis pour me façonner cette... tenue. Cet accessoire. Mm-hmm. Hein? Alors, Oula, on va remonter là, tout le long. Et alors, et ça, je dis merci à ma belle-sœur, la femme de mon frère, d'accord, Marie-Ève, qui m'a offert donc ce tissu, comme ça. Mm-hmm. Et Fifi chérie me l'a construit. Confectionné. Voilà. D'accord. Donc, vous alors, avez vu la tenue pas, de Zaza, qui est très originale. Voilà. Oui. D'accord. Est-ce que vous me voyez bien, là? Oui, oui. Ils ont vu de la tête aux pieds. J'ai pas pris la peine d'être si belle pour vous faire... Vous êtes consommé et devant moi, hein? OK? Dites-moi, faire votre sac, là. Okay. Ah oui, quant au sac, il est particulier. Alors, il s'agit d'une tortue. Oui, mais non. Voilà. Il ne s'agit pas d'une tortue, il s'agit de ma tortue, de mon la bébé. La tortue de Zaza. Ils m'ont payé combien d'argent pour y pâter moi, moi. Alors, qui ça, on les m'a fait, et puis, hein? Mm-hmm. Eh bien, là, il est toujours, et puis, moi. Voilà. Bisous. C'est original, je n'en avais jamais vu comme ça, et même le bracelet, d'ailleurs. Mais tu ne peux pas avoir vu comme ça, puisque c'est du Zaza. C'est du Zaza. Il n'y en a qu'une. Donc, très fonctionnel, en plus. Avec sa tortue. Alors, elle a vécu c'est combien de temps avec toi, cette tortue? 3 ans. 3 ans, d'accord. Alors, les cheveux de Zaza aussi, on a vu quelques images passer déjà. Mais non, je cheveux attachés, afro, locks, on a tout vu chez Zaza. Mais non, tu n'as pas tout vu, voilà. Regarde la suite. Là, là, c'est avec les locks. Eh bien, là, tu vas voir, là. Si tu veux voir, tu vas voir, hein, Mylène, tu vas ne pas me chercher. Je ne te cherche pas. Je dis qu'on t'a vu sur tous les angles, avec toutes les coiffures possibles et imaginables. Mais ce n'est pas fini, puisque je suis encore en vie. Donc, voilà. Donc, tu vas encore nous surprendre. Ah ouais. Voilà. Alors, voilà, mes chéris. Alors, il faut savoir qu'à mon niveau, c'est aussi... Alors, mes locks peuvent être aussi un collier, tu vois. Voilà. OK, mm-hmm. Voilà, je me sers de ce que j'ai. Ils sont là, ils sont beaux. Et le tatouage que tu as là, c'est quoi, alors? Eh bien, ça fait partie d'une fantaisie, Mylène. Tu t'es réveillée un jour, tu as dit, allez, je veux de telle façon. Non, non, je ne me suis pas réveillée un jour. Tu avais déjà prévu. Non. Au départ, on m'a tenu en point. Mm-hmm. Les m'ont vini. Comme les Indiens. M'ont mis en point. M'ont pas songé les Indiens. Mm-hmm. M'ont suivi l'instinct, moi. Comme... d'habitude. Et là, m'ont venu aller danser, m'ont dit qu'à faire croix et crayon. Mais là, au souhait, crayon capati. M'ont dit, oh là là, on peut faire. Mais ce que la croix ne signifie pas, la croix que nous connaissons tous, hein, que j'ai étudié au catéchisme, ça n'a absolument rien à voir. En fait, ce que j'ai voulu symboliser, ça aurait été plus l'ossature du visage. Ouais, tu vois, tu as ça. Oui, je vois que ça descend jusque-là. Mais oui, mais je veux dire, le visage. Mm-hmm. Si par exemple, tu dessines un visage. Oui, tu fais ça. Tu ne fais pas encore la tête. C'est ce que tu fais. Oui. Tu vois, d'ailleurs, est-ce qu'ils ne se sont pas inspirés de ça pour faire mourir Jésus sur une croix? Je ne sais pas. mais c'est ce que je veux te dire. D'ailleurs, mais comme je suis interpellée parce que les gens me disent pourquoi cette croix. Ce qui fait que je l'ai changée, tu as vu aujourd'hui, là, mm-hmm. et je vais rajouter quelque chose d'autre parce que je ne veux pas qu'on voit ça comme la croix du Christ. Ça n'a rien à voir. D'accord. De toute façon, je ne la voyais pas comme la croix du Christ parce que ce n'est pas assez long, là. Ça serait plus... Non, mais du premier regard, tu vois une croix. Tu vois une croix. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est gênant. Voilà. Okay. Donc, on va changer ça. Est-ce que tu as un artiste préféré ou un artiste coup de cœur à qui tu voudrais rendre hommage? Tu nous as parlé de Jean-Marc Templet tout à l'heure. Ah oui, c'est mon bébé. Est-ce qu'il y en a un autre? Merci Jean-Marc, il est adorable.
Non, alors je vais te dire quelque chose. Ça sera difficile pour moi de ne pas aimer la musique, qu'elle vienne d'Inde ou d'ailleurs, mm-hmm. qu'elle vienne de Mars ou de Neptune. Je suis allée hier soir dans un bar. J'étais allée acheter une bière. Il est tard. Je suis allée simplement acheter une bière. Il est déjà 10 heures du soir. Je suis à pied. C'est l'Éther Saint-Ville. Je suis interpellée par l'interprétation de... C'est un groupe, mais je ne sais pas. Il y avait... Alors, c'est un groupe. Le responsable n'a pas pu me donner le nom, mais mm-hmm. je lui ai demandé de chercher pour moi. C'est un groupe. Alors, c'est un groupe qui a fusionné. Il a fait fusionner la musique des Caraïbes, mm-hmm. le zouk, la musique haïtienne, et tout ça dans un grand vidéo. Tu vois un peu ton générique? Oui. Alors, tout ça dans un... Alors, tu as un bruit de fond. C'est extraordinaire. Et puis, tu as de temps en temps l'intervention de quelques mots, comme ton générique, tu vois. D'accord, comme ouais. Ton générique, moi, appelle beaucoup El Kaji. Je ne mm-hmm. sais pas si ça doit pas être lui, mais c'est très joli. Hein. J'aime mm-hmm. beaucoup ton générique. Ah, oh, il est magnifique. Et donc, alors, l'intervention, les gens... Alors, c'est pour te dire que moi, je suis incapable de te dire qu'est-ce que... J'aime tous... En fait... Donc, maintenant, moi là. Mm-hmm. Moi, donc, tu aimes les artistes d'une façon générale, mais tu n'as pas. Oui, alors maintenant. Alors, moi maintenant, mm-hmm. la musique que je ferai avant mm-hmm. de mourir, je l'espère, si Dieu veut, ça sera une musique qui respire. Je trouve que maintenant, il y a trop de mots dans les textes. Ça me fait chier. Pardonnez-moi. Mais. Alors, tu veux une musique aérée alors... Non, et puis pas beaucoup de paroles. Il n'y a pas besoin. Mm-hmm. On parle toute la journée. Non. Alors, ma musique, à moi, elle va respirer. Kanye, un petit moment, bon, vous aurez voulu monter, mais ce n'est pas Kanye qui ça. Hein? Nous, Kanye, passer aussi à d'autres latitudes, puisque la vérité est vaste. Hein? La vérité mm-hmm. a des ailes. Ben. Alors, voilà. OK. Alors, tu es gentille. Pourquoi? J'aime bien comme tu fais ton émission. Mais merci. Oui, mais oh ça s'appelle oui. conversation. On converse. Ah oh oui, mais comme toi, tu es une petite jouisseuse, toi, parce que tu prends le temps hein, de ah converser. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah ouais. Tu savoures. Non, parce que je n'aime pas justement tous les artistes qu'on voit 5-10 minutes devant un micro pour parler d'un truc, d'un événement. Et puis c'est tout. Là, en fait, on fait vraiment plus connaissance avec l'artiste. Surtout avec une Zaza, parce oui. que bon, j'ai quand même un âge, quoi, merde. Voilà. Alors, Zaza est maman de oui, trois oui. enfants. Oui, oui. Et grand-maman de combien? De quatre. Quatre? Oui. Oui, ça fait quand même une petite tribu. Oui, mais on n'a pas de contact. Ah bon, avec non. les petits-enfants ou avec les enfants? Avec les deux, avec tous. Ah bon? Oui, c'est... Alors, tu c'est sais, dommage. Uh-huh. Oui, oui. C'est peut-être pas dommage. C'est peut-être... Alors, voilà ce que je voulais te dire. Et moi, je pense que ce qui m'a permis de ressusciter après ma cavale et ma mort, parce que je dis à tout le monde, je suis éternelle. Il n'y a pas de mort mm-hmm. pour moi. C'est surtout parce que je ne... Quand les choses arrivent, les choses se présentent dans ma vie, je considère très sincèrement que c'est moi qui l'ai créé. Donc, plutôt que de me poser des questions quant à la juste proportion de la présentation de ce qui se passe, mm-hmm. je me dis, tiens, ok, on y en baille, ou bien mignonne, bien gentille, mon nian côté là, hein, ou pas d'autre là, hein, nian baïka loché là. Alors regardez, où est-ce qu'on a fait. Ce qui fait que je vais plus explorer toutes les mésaventures de mon intériorité, mm-hmm. et plutôt que de perdre du temps à me dire pourquoi.
les choses arrivent comme cela. Je dis, c'est ce que je veux. Alors, à toi de jouer, bébé. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui prennent l'antenne ou l'émission en cours que je reçois une grande artiste qui s'appelle Zaza aujourd'hui. On a déjà écouté son tube tout à l'heure qui s'appelait Zaza. Oui. On va écouter une deuxième musique de toi. Voilà. Oui. Alors, Jean-Michel Césaire, qui a la technique, va nous envoyer quelque chose. On en parle après. Très bien. Voilà. Alors, choc à musique. Ça te rappelle de beaux souvenirs aussi? Ah là là, ça m'a fait tellement... Merci infiniment. Ça m'a fait très, très plaisir de voir ça. Et c'est pour te dire comment le fonctionnement là, avant, hein, comment ça m'a dégagé là. Et moi, ça m'a tenu des fans et les gamins. Oui, oui, du quartier. Alors moi, je suis toujours pour... Ils étaient au moins une dizaine, si c'est là, à peu près, d'enfants, là, sur le plateau. Moi, je traîne au moins 12, si mon mari est là. Et ça m'a fait... m'a dit, à mon pari, elle est là tout seul. Hein. Ça paraît bien. Je les amène. Moi, cherché, comment ça veut dire, il y a un message, là. Moi, aller chercher eux, c'était mon mari quartier, là. Et puis, nous, monter RFO. Et puis,
Et puis avant nous entrer là, mon feuille fait ça. Répéter un petit peu, balancer, voilà. Lever, ça va être compliqué. Oui, c'était pas compliqué. C'est formidable. Alors, comme tu nous disais, la chorégraphie un petit peu spontanée, c'est juste tu mets l'ambiance. Ah, mais c'est surtout un regard savoureux sur la simplicité. Mm-hmm. Ça en revient encore aux notes de musique. Pourquoi faire tant de notes alors qu'il suffit de jouer les plus belles, voilà. C'est clair, c'est très intelligent. Je vais la retenir, celle-là. Ah, tu vas la retenir. Ah ben, oui. Alors, pourquoi jouer tant de notes mm-hmm. alors qu'il suffit de jouer les plus belles, C'est beau, ça m'a marqué. Oui, oui. Ça m'a marqué. C'est comme encore une autre phrase, mais là, c'est de Charlotte Rampling qui disait quand on vieillit, c'est ce qu'on est à l'intérieur qui est retracé sur le visage. Elle avait dit ça d'une manière, et c'est vrai. Charlotte Rampling, pour ceux qui ne savent pas, c'était une comédienne, une actrice. Charlotte Rampling, c'était une actrice anglaise. Mm-hmm. Qui a joué dans le Facteur sonne deux fois. À l'époque, c'était deux ou trois fois, je ne sais plus combien de temps il sonne. Enfin, il sonnait le Facteur. et elle avait dit, alors j'avais lu, qu'elle a dit que la vérité de ce que tu es profondément se retrouve dans les traits du visage quand on vieillit. Mm-hmm. Voilà. Et j'avais trouvé ça assez pertinent et véridique à mon sens. En tout cas, le tien est souriant, donc si c'est ça qui se dégage, tant mieux. Oui, mais j'aime la vie et surtout, j'aime les gens. Oui. Alors, je demandais à Zaza Orantène, elle va nous répondre maintenant devant vous, où elle avait appris à parler anglais, puisqu'elle parle créole, anglais, français. J'avais parlé espagnol. Et un petit peu d'allemand, j'avais choqué, quoi. Voilà. Alors, où tu avais... Alors, l'anglais, c'est fascinant parce que après mon voyage au Canada, à 17 ans... Tu m'as dit que tu étais pas j'ai fait, oui, non, j'ai fêté mes 21 ans à New York. Ma mère avait réussi à me faire partir, aller chez une connaissance à elle, mes parents, je devrais dire. Et j'étais partie pour 3 mois, mais je n'avais pas envie de revenir. Donc ça m'a allé chercher, m'a travaillé dans des petites usines. D'accord. Et puis, m'ont venu trouver un appartement, sur la 42e rue, attention, la 52e rue de la 9e avenue, Columbus Circle. Et c'était le centre de Manhattan, parce qu'on était tout près de Broadway et tout près de Harlem. Et j'ai trouvé cet appartement grâce aux filles avec qui je travaillais. J'étais pas censée travailler, alors fermez vos bouches là. Hein. Et c'était un palier où il y avait que des Trinidadiens. Ah, d'accord. Et moi j'étais là. Donc j'avais une chambre. Mais on partageait la cuisine et les toilettes. Oui, oui. Mais j'avais décidé. Comment ? Comme une colocation. Exactement. Mais avec la fraternité en oui, plus. Oui, bien sûr. Et puis communauté quoi. Voilà, c'est ça, le fait d'être caribéen. Voilà. Je me souviens d'Angela, enfin bref, une indienne. C'était succulent, j'adorais. Je mangeais indien, on était très bien. Et j'avais décidé d'être hôtesse de l'air. J'avais envie. D'accord. Voilà. Mais entre ce que Zaza décide et puis ce qu'elle a fait, et puis ce qui se passe. Parce que n'oublions pas que moi je suis à l'écoute. Je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas intellectuel. Je n'ai pas de pensée fondée. Ça ne m'intéresse surtout pas. Par contre, je respecte et je me construis avec. Maintenant, j'ai appris à me construire, en tout cas, avec les éléments qui viennent à moi, hein, que j'ai déjà et qui viennent à moi. Voilà. À cette philosophie, je t'écoute. Donc, on a compris que tu as appris à parler anglais quand tu étais à Manhattan. Voilà. Et tu es restée combien au total, finalement ? Eh bien, je suis restée 2 ans. Ah, quand même ! Mais après, je suis allée en Allemagne et je ne savais pas parler allemand. Oui, oula. Mais ils parlent tous, pas. Je veux dire, j'étais à Munich, j'étais dans une grande ville. Oui, donc, oui. Voilà. Mais il faut dire aussi que j'aime l'anglais. Alors, j'adore l'anglais. J'aime l'anglais.
J'aime l'anglais chanter aussi, les consonances quand ça chante. Comme tu disais, quand tu aimes chanter en créole. Oui. Ah oui. Non, mais moi, je vais trouver plus savoureux de chanter en créole et en français. Mm-hmm. Parce que ça m'habite. Hein. Je suis habitée par ces deux-là. Tu vois. Mm-hmm. Ce qui fait que l'anglais, je n'ai pas essayé, mais je ne suis pas trop attirée. Je préfère lire. J'aime bien parler anglais. Alors, tu nous disais que tu avais à un moment donné envie d'être hôtesse de l'air. Est-ce que tu avais d'autres rêves que tu n'as finalement pas réalisés? Ou est-ce que tu as des regrets sur ton parcours? Je n'ai jamais aimé ce type de rêve. Mm-hmm. Non, non, je ne me projette pas. Parce que je suis quelqu'un de distinctif. Voilà. Donc, je n'ai pas de plan sur la comète Mars, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais je n'ai jamais été quelqu'un de réfléchi. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas habitée par un programme. Ok. Tu vois? Mm-hmm. Donc, tu prends la vie comme elle vient. Voilà, mais c'est tout le mal que ça procure aussi. Hein, parce que, bon, c'est très bien que nous vivons dans un circuit endimanché. Mm-hmm. Et, quand toi, tu arrives là avec quelques vêtements et tu es nu-pied, bon, eh bien, tu fais tâche, quoi. En tout cas, apparemment, on pense encore à toi, puisque, je rappelle, Zaza va faire la pièce de théâtre là bientôt. Donc, ceux qui ont envie de la voir pourront, dès que vous allez entendre parler c'est pas Zaza qui fait, mais Zaza sera dans la place Bertin. Voilà. Elle sera dans la comédie. Oui, je serai là. Donc, dès que vous entendrez parler de ça, vous renseignez pour aller la voir sur scène. Permets-moi de t'interrompre. Oui. Parce que ce qu'il faut voir aussi concernant la place Bertin, c'est que la conception aussi vient d'une femme. Et cette femme... Tu peux la citer, hein? Marie-Ange Ravel, pour ceux voilà. qui connaissent. Et cette femme, son métier, c'est d'être couturière, en plus d'être une artiste. Mm-hmm. Mais, et puis, elle travaille sur le marché. Oh, la place Bertin, c'est quoi? Oui. C'est la place où toutes ces machines sont là. Je veux dire, elle est au fait même du sujet. Du sujet, voilà. Et c'est pour cette raison qu'il faut la soutenir. D'autant que ça nous ramène un peu à notre background, nos fondations, nos ancêtres, puisqu'elle reprend tout l'historique des chansons qu'on n'entend plus. D'accord. Depuis Saint-Pierre et compagnie. Mandouine. Oui. Alors, bien sûr, pas entièrement. Oui. Mais la pièce... Elle est toute marquante. Le scénario est basé sur le concept des chansons. Okay. Les chansons sont chantées par rapport à la mouvance aussi de l'acteur. D'accord, dire, là. Et dans ton personnage, tu vas chanter alors? Mais mon ignorant des chansons Raybon, Mylène. Oui, super. Il y en a qui vont attendre ça. Oui. Est-ce qu'on peut te qualifier de femme libre, de femme libérée, de femme moderne? Non, tu vas simplement dire que je suis un mutant. Parce que comme on l'a compris, elle dansait d'une façon qui ne se faisait pas spécialement à l'époque. Vulgaire. Mais moi, je ne dirais pas vulgaire. Mais pas du tout. C'est pas du tout. Mais ça peut être surtout pour l'époque, ça c'était un petit peu trop, too much. C'était peut-être too much, mais ça plaisait à une bonne partie de la population quand même, puisque tout le monde aimait bien. Oui, mais ça plaisait derrière les rideaux. Hein. Voilà, et bien on va écouter un troisième titre de Zaza. Oui. Voilà. D'accord. Jean-Michel va nous envoyer ça. OK. Merci, Jean-Michel. Thank you.
Alors, Zaza chantait sur le plateau. Et toi, se regardant. Alors, c'était où cette chanson? C'était en Guadeloupe. C'était en Guadeloupe. Dans, un, dans l'île Sœur. À Sainte-Anne, dans un très grand hôtel, le plus grand hôtel. D'accord. Que vous aviez tourné ça. Comment? Que vous aviez tourné son que ce que qui... nous avons tourné, voilà. Oui, oui. Oui, puisqu'il faut savoir que Zaza était connue aussi bien oui. en Guadeloupe qu'en Guyane, en Guyane, Guyane oui, et compagnie. Mais cette chanson, ben oui. Et en fait, ça a été une carrière courte, pour ainsi dire. Mais ça a été une carrière trépidante parce que nourrie par le rire, par la joie et puis surtout par l'incertitude. C'est pas... On a fait belle, là, on passe... De quoi là, même on est allé chanter une chanson, on ne pas même penser. Oui, c'était que... aussi ma fait en cours, ça. En tout cas, ça nous a bien fait plaisir oui. de revoir un peu tous ces... Oui, et ça m'a fait plaisir de te voir. Ces chansons-là, oui, voilà. Ça, j'aime bien ta dynamique. Ah bon? Oui, oui. Merci, Zaza. est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de... Un message que tu aurais aimé transmettre à tes compatriotes en regardant la caméra qui est ah, oui, juste en la face caméra, de toi? Oui, tout à fait. Tu peux leur parler. Très les bien. Yeux derrière les yeux. Voilà. Alors, écoutez... qu'est-ce que tes autres vraiment un Noël sulfureux parce que hein on a marre des Noëls paisibles et là moi je vois Mazaka ouais que pas Dieu ni rien je trouve que les rues sont très calmes personnellement ça m'a envie des autres c'est on va mettre de derrière les chimères, ce qui n'a pas marché, les dettes. Et puis, le jour de Noël, eh ben, essayez au moins de rire. Voilà. D'être positif. Oh oui. Mais ça, de toute façon, si vous êtes dans l'amour, dans le rire, vous attirez à vous aussi. C'est ça aussi, hein. Mais oui, hein. Faut attirer, faut être pour attirer. Hein. Le positif attire le positif. Là, mon cœur est moins, là où mon cœur est moins brûlé. Eh ben, maintenir un petit job pour faire mal travailler le soir là même. Bon, ah, faut ouais. pas être, on dirait, non, moi, mon sang est agité, mon sang est agité. Ok, non, pas y parler de ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais quand même, il faut le dire en amont, déjà commencé une certaine introspection. Mais en tout cas, moi, bon, ok, ou dans la vie, là, on pas d'accord avec ça, on pas d'accord avec ça, on pas d'accord avec ça. Attends, et puis qui sont d'accord? Hein? Effectivement, et là, moi, comment? Moi, t'es 44, non, et puis, ben là, quand elle a parti, alors, effectivement, moi, apprendre beaucoup de ça. Oui, oui. D'accord, la maison a brûlé, mais Zaza est toujours là, et toujours en forme. En près, tout cas, de, près de 2000. Elle nous a fait passer un bon moment. J'espère que vous avez apprécié. On va écouter un dernier titre de toi et puis on se dit donc à une prochaine fois. Avec plaisir. OK? Oui. Bye-bye. Bye-bye. Ça, c'est le c'est pas la peine au mot de moi qui ça moins qu'il fait joli moins ça paraît, moins ça sauté pour moi faire les pas sans les moins un cyclone passé, tribulation toute l'année a. Et j'en ai on est empêché moins confier en moins un tiers moins j'accapé plus bon, des mots faut comprendre ça. Laissez-moi un high souffle comme moi. Oh, moi, Léon, Kaila. Bédim, bédim, waba, dédim, bo. Oh, moi, Léon, Kaila. Bédim, 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 waba, dédim, bo. Oh, moi, Léon, Kaila. Bédim, 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 waba, dédim, bo. Oh, moi, Léon, Kaila. Bédim, bo, bédim, bo, bédim, bo, bédim, bo. We'll be right back.
Petimbo. Petimbo, 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 Petimbo. Petimbo, 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 Petimbo. Just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget.